considère. C'est pas bientôt fini ce bordel ? Oh ! Et mes voisins, ils doivent m'entendre, ils doivent... Salut YouTube et bienvenue sur ce let's play de la Definitive Edition de The Mortuary Assistant. Cette ultime mise à jour ajoute de nouveaux jumpscares et de nouveaux corps à découvrir dans une grand-mère absolument terrifiante. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces bleus et à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Et si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch pour découvrir ensemble des nouveaux jeux d'horreur. Merci d'avance pour vos visionnages. Je vais expliquer le concept pour ceux qui connaissent pas. On n'a jamais foutu quelqu'un dans un sac mortuaire. Faudrait qu'on le fasse. Alors, on va prendre les post-it, on va mettre le fusible, comme ça tous les événements qui peuvent arriver peuvent arriver. Rebecca. Bim. Ah mais il est trop bien ce jeu. Et puis surtout il y a une très bonne durée de vie, c'est ça qui est bien. Alors, j'espère qu'il y aura des nouveaux types de corps du coup. Et des nouveaux jumpscares, on va voir. J'ai cru qu'il y avait des traces bleues sur le sol, mais non, c'est moi. Les sacs qui sont là, je les ai jamais utilisés, je sais pas comment on les utilise, mais apparemment, ça permet d'avoir confirmation du nom du démon. Alors, pour ceux qui connaissent pas Mortuary Assistant, il y en a dans le chat qui connaissent pas. On a un assistant mortuaire. Donc c'est quoi un assistant mortuaire? En fait, on prépare les cadavres avant la mise en bière, avant les enterrements, etc. Et en fait, il se trouve qu'on va devoir s'occuper de 3 patients. Et en fait, parmi ces patients, il y en a un qui est possédé par un démon. Donc notre but, ça va être de deviner lequel de ces 3 corps est possédé et de quel démon il s'agit. Il va falloir trouver le nom du démon aussi. Une fois qu'on l'a trouvé, il va falloir le mettre dans l'incinérateur. Donc faut pas qu'on se plante, la dernière fois j'ai envoyé la mamie qui était pour rien la pauvre. Ah c'est possible ouais chéri chou. Je vais vous faire voter par lequel on commence. Alors le premier, j'allais dire on a chéri chou n'importe quoi. On a Sheila Clark. Sheila comme prénom. Alors on a Sheila, on l'a jamais vu elle. C'est un nouveau type de corps les amis. Sheila, on n'a jamais vu cette mamie aussi. Cette mamie elle nous court après, je pense qu'on va, à mon avis on n'est pas prêt. Alors il y a Sheila, la 1. Christine en 2. On connaît ce type de corps, on a déjà vu. On a Sheila. Christine. Ouais, elle fait Sheila, elle fait pleurer, elle fait peur. Et Felton. Felton, on l'a jamais vu. J'ai jamais vu un corps comme ça. Putain, c'est trop bien les amis qu'il y ait des nouveaux corps. Alors, 1, 2 ou 3. Dites-moi dans le chat 1, 2 ou 3. Dites-moi ce que vous en pensez, je vois que des 1, j'en étais sûr. Alors moi, à votre place, j'aurais voté 1, parce que c'est celle qui fait le plus flipper, j'ai l'impression. 1 ? Ok. Allez, on range au placard. J'arrive, madame. Ça vous fait prendre un petit peu l'air, c'est bien, d'accord ? Profitez-en, respirez l'air pur. On va prendre la clé au cas où. Et on va avoir besoin d'accéder au PC. Et pour ça, il va falloir nous faire un code. Non, c'est pas là, c'est sur l'autre, je crois. C'est là? Je crois que c'est là. 219. Est-ce que vous pouvez noter pour moi? Parce que des fois, j'oublie. 219-941. Suffit que je me prenne un jumpscare ou un événement et. Oli, goût pur R. 219-941. Ok. Merci beaucoup à vous. Alors, ça on en a besoin, on prend, c'est Calpin qui va nous dire ce qu'il faut faire à chaque fois. Et là, on va déjà débloquer l'accès au PC, alors 219-941. Vous avez entendu comme moi. Vous avez entendu comme moi, vous avez entendu une porte ou un truc craquer. Vous avez entendu. Madame, c'est vous? Je vous ai demandé de vous tenir tranquille. C'est vous, madame? C'est pas elle. Merci Black Bass pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commis. Et les arrivants. Non, y a rien. C'est bizarre, ça fait ce bruit, mais y a personne. Bon, c'est pas grave.
On va prendre notre brancard. Attendez, avant, on va prendre des talismans. Les talismans, quand il se passe des trucs bizarres. Et... J'avais jamais eu cette lettre. Rebecca, je sais très bien pourquoi tu m'évites. À ta place, je ferai la même chose. Depuis que cette chose m'a trouvé, j'ai dû repousser tous ceux qui me sont chers. Je sais que tu comprends ça mieux que quiconque. Aucune des personnes avec lesquelles j'ai partagé ça m'a survécu. Je pense que c'est son patron, je me rappelle plus comment il s'appelle, qui lui écrit. Redmond, je crois. Chaque jour, je me demande ce que je dois faire, si ce que je te montre est bien ou mal. J'aimerais te guider. Je vais être là pour toi. J'étais seul pendant si longtemps, je sais à quel point c'est douloureux. Cela fait très longtemps que je n'ai pas pris le temps de réfléchir aux conséquences de tout cela. J'évite en général. C'est trop dur. Raymond, c'est ça. Hein. Merci Shades pour le follow également. Bienvenue à la commu. Cette vie va nous ronger, Rebecca. On ne peut pas y échapper. Cette vie nous détruira. J'ai fait des choses horribles qui me hanteront pour toujours. Je suis désolé que tu aies à subir ça aussi. Mais maintenant, nous sommes deux. Tu n'as pas à être seul. Ne fais pas comme moi, Rebecca. Nous affronterons déjà assez de démons. Rejette tes démons intérieurs. Il y a encore beaucoup de secrets entre nous et j'en suis désolé. Je sais que tu ne peux pas comprendre et que tu ne me feras jamais confiance. La vérité, c'est que je suis un vieil homme solitaire qui a tout le temps peur de faire le mauvais choix. Cette vie est un véritable calvaire. Elle te fera faire des choses dont tu ne te savais pas capable et je voudrais te protéger. Je ne veux pas que tu subisses le même destin que moi. Sache que si je te cache des choses, c'est pour ton bien. Je voudrais pouvoir tout te dire, mais tu as déjà tant souffert et je sais que ce n'est pas terminé. Je dois m'éloigner, mais je ne t'abandonnerai pas, Raymond. Oh, il s'est barré? Il s'est barré de la morgue? Il s'est barré de la morgue, vous le comprenez comme ça? What the fuck? Il nous a laissé tout seul. Gérer la morgue. En nous disant qu'on allait découvrir d'autres... Il a dit, ouais, il nous protège. Sachant qu'il nous a dit, coucou Eni, ça va? Il nous a dit, tu vas encore beaucoup souffrir. Tu vas encore découvrir beaucoup de trucs, tu vas encore beaucoup souffrir. Donc je me barre. Après, c'est elle qui a l'air de lui en vouloir. Oh non, s'il te plaît. S'il te plaît. Tiens, faites-moi pas une coupure de courant avec Gisèle. Non, comment elle s'appelle? Yashi dedans. Je sais plus comment elle s'appelle, la peau. Je veux pas me moquer trop des prénoms. Hein. Shiba, Shia. Sheila, c'est Sheila, non? C'est pas Sheila en anglais? Sheila, non? Je pense que c'est peut-être Sheila, comme la chanteuse. Elle chantait quoi, Sheila, déjà? C'est le couloir de l'enfer, là. Ah, vous allez voir, va falloir qu'on s'occupe de chaque patient. Comment on sait s'ils sont possédés ou pas? Alors, il va y avoir des trucs de dingue. C'est pas forcément parce qu'ils font des trucs de dingue qu'ils sont possédés. Mais souvent, c'est par exemple quand ils bougent les petits doigts, c'est souvent des petits signes qui les trahissent. Parce que le démon peut faire bouger des corps auxquels il n'appartient pas. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous pour voir s'il y a des détails. Elle sourit? Je sais pas, mais... enfin, je suis désolé, hein, je veux pas moquer des physiques, les amis, mais elle me fait penser à un clown. Hein. Elle me fait penser à un clown. Regardez, la bouche, elle est toute ouverte. Elle est rouge avec sa perruque. On dirait un clown. On dirait un clown. Sheila Clary, elle a 72 ans. Elle a combien de signes? Elle a 5 signes sur elle. Bon bah déjà, vous avez 100 visages. Bah, il a quand même elle a quand même la bouche bien rouge. Hein. On dirait qu'elle a encore son rouge à lèvres. Putain les amis, il y a que des trucs nouveaux pour l'instant, des sons qu'on n'avait pas dans le jeu. Du coup ça me fait grave flipper, parce que je sais pas ce qui va... Déjà quand je sais ce qui va arriver, ça me fait sursauter, mais alors là... J'ai l'impression que c'est à l'étage. Merci CC pour le follow sur Twitch, bienvenue à commu. C'est à l'étage non? J'ai l'impression que ça vient d'au-dessus. J'ai l'impression que ça venait au-dessus non? Non, c'est pas l'orage. Non, 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 il y avait des boum boum. Vous avez entendu les boum boum, les amis? Non, 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 c'est pas l'orage. Il y avait des boum boum, j'en suis quasiment sûr. J'ai l'impression que ça venait au-dessus. Je sens que. Je sais quoi? Je sens qu'il y a un truc à l'étage, les amis. On n'a jamais vu l'étage.
Il y a un étage dans le bâtiment, non? Je suis sûr qu'il y a un truc que Raymond nous cache. Il a dit, souvenez-vous, Raymond, il a dit quoi? Il a dit, je te cache. Il a dit, ah putain, il va peut-être se passer des trucs nouveaux qu'on va. Ah putain, il va y avoir des. Je suis sûr qu'ils ont ajouté des nouveaux événements dans le jeu, les amis. Il a dit, je te cache encore des choses. Et je suis sûr qu'à l'étage, il doit y avoir des trucs. Bah, je sais pas. Bah, je pense parce que des fois, là, il y a un bras qui pend. Bah, on peut pas y aller, mais je serais pas étonné qu'il y ait un étage. Hein. Il nous reste encore un truc. C'est derrière. Ah, attendez, madame, poussez-vous un petit peu. Oh mon dieu, les griffes. Les griffes. Les griffes, souvent, c'est possession. Ok, restez bien sagement là, j'arrive. L'ami, c'est le plus beau sous-vêtement pour nous, mamie. Alors, donc c'est Sheila. Et elle a 72 ans. Elle a un hémangiome à la tête, égratignure à l'épaule droite. Imperfection au bras gauche. Mon dieu, les amis. Oh mon dieu, attendez, c'est que des trucs. Les amis, j'en peux plus. Là, j'ai la chair de poule. Alors, je sais pas si vous voyez la chair de poule. Vous voyez que je pèle. Pour l'instant, c'est que. Alors, ça fait un an. Hein. Les amis, on joue à ce jeu depuis un an. On a toujours des trucs nouveaux. Là, je pense qu'on avait commencé à voir tout. Et là, que ça soit les bruits, les événements, c'est que des trucs nouveaux pour l'instant. Ça va être l'enfer, mais c'est trop bien. Merci, Jay, Nolan et Potiron pour follow. Dénommé la commu. Oh la vache. Bon, attendez, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, imperfection au bras gauche. Jambe droite, imperfection, grain de beauté à la jambe gauche. Surtout que... Je sais pas, c'est vu, c'est l'armoire. C'est juste l'armoire qui s'est ouverte au début, donc je me suis dit, bon, c'est juste l'armoire. Ok, on va rapporter le rapport. Ouais, on fera le talisman après. En général, je fais un talisman par corps. Déjà, elle n'a pas bougé de place, c'est déjà bien. Alors là, c'est la liste de toutes les tâches à faire. Je vais vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu. Je sais qu'on y joue beaucoup sur la chaîne, mais je réexplique à chaque fois pour ceux qui découvrent. Hello? Hello. Rebecca? Rebecca? What the? C'est la voix de notre mère qui est décédée, mais à part ça, tout va bien. Donc là, il va falloir préparer l'embaumement. Donc, différentes étapes. La première, t'en vois pas trop, c'est fermer les mâchoires. Donc pour ça, il faut des trucs de fixation. Et il va falloir faire des trous dans la mâchoire. Les objets changent d'endroit à chaque partie. J'ai vu qu'il y avait une option, les amis, vous en pensez quoi? Il y a une option pour laisser les objets à chaque endroit. Mais je trouve que c'est ce qui donne du challenge quand on panique vers la fin, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous arrive pas souvent, mais ça nous arrive plusieurs fois de mourir en étant possédé parce qu'on mettait trop de temps. Je trouve ça bien quand on est dans le stress de chercher les objets, non? Vous en pensez quoi? Si, si, je vais gribouiller, vous inquiétez pas, on a le temps. Vous en faites pas, tranquille. Il faut les petits cartons. C'est ça les aiguilles à fixation? C'est ça. Ça gâche aussi, moi aussi je trouve que c'est mieux que quand c'est... En fait, ça frustre au début, mais je trouve que c'est ce qui fait un peu perdre du temps dans le stress. Et je trouve, en fait, le fait qu'on cherche, quand il y a le démon qui est caché, par exemple, quand il est derrière le placard, ça fait plus d'opportunités qu'il se passe des choses, je trouve. Merci Nolan pour follow. Je sais pas si je l'avais dit. Donc allez, on va faire ouvrir la bouche de madame. Regardez, elle a déjà commencé à ouvrir la bouche. Ah. Ah. Ouvrez grand. Allez. Soyez courageuse madame. Elle a une super dentition pour son âge en attendant. Elle a de super belles dents. There we go. Elle sourit. Oh mon dieu, j'ai l'impression qu'elle sourit, je sens que ça va être elle, les amis. Oh, j'ai l'impression qu'elle sourit. Alors, c'est jamais des grands sourires, hein. Je vous le dis, quand ils sont possédés, souvent c'est des petits rictus en mode. Juste au coin en mode. Ouais, vas-y. Je fais comme si j'étais pas le démon. Oh non, les amis, la pire, elle est trop flippante, je vous jure. Je sais pas, je suis partagé. Elle sourit ou pas? Un, si elle sourit. Deux, si elle sourit pas. J'ai un petit doute quand même, hein. Moi j'ai l'impression, mais je suis pas sûr. Coucou Flore. Moi j'ai l'impression que c'est 1. Hein. Attendez, on regarde. Ah. Alors les talismans. Le nom d'un démon, il est composé de 4 signes, ok? De 4 signes démoniaques. Les talismans, ça nous permet de trouver où est le signe.
Regardez, là, on dirait un T avec deux barres. Et quand on aura le signe du démon, il faudra le poser sur le corps avant de le mettre dans l'incinérateur. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver quel est le démon, mais aussi son nom. Ok, alors après, on va lui fermer les yeux. Je pense que ça va être pas mal de lui fermer les yeux, ça va améliorer un petit peu, parce que là, j'aime pas trop qu'elle me regarde dans les... Dans les yeux. C'est rien, c'est le vent. Voilà, on ouvre grand les yeux, grand-mère. Pouf! Pouf! Voilà, c'est mieux. Je trouve que ça fait moins peur, non? Elle fait un petit peu moins peur, les yeux fermés, non? Ça va mieux. Bon, si elle nous fait un clin d'œil, par exemple, c'est pas normal. Donc, si vous la voyez bouger un petit peu les pieds ou quoi que ce soit, si vous la voyez avoir un spasme, faut me le dire. Ça trahit le démon, souvent. C'est pas forcément le corps qui bouge le plus qui est possédé. J'ai bientôt passé les commandes de café. Alors, la tradition, c'est que je vous prépare des boissons chaudes. Parce que vous allez voir, ça fait le bruit de la Senseo. C'est appareil à la fin. Du méthanol. Glutardélide. Un latte. Matcha latte coco. Un irish. Ah, il y a toujours quelqu'un pour demander un irish coffee. Hein. Quoi, le glutardélide, c'est pas bon? J'ai mis déjà le glutardélide? Ah oui, j'ai mis. Merci Fuchs pour les 2 mois. Merci à toi Fuchs et Feufolo ou des 2 mois. Merci à toi pour ta présence. Et merci Elena pour le follow sur Twitch. Le humectant, on l'a pas fait. Oh 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 oh. That's not it. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai ramassé le même? Ah mais je peux en porter 2, c'est pour ça. Ah mais attends. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait n'importe quoi. J'arrive! Un instant! Souvent, celui qui est possédé, c'est celui qui se cogne la tête. Je vous jure. Pas tout le temps, mais souvent, c'est ça. Christine? Christine, elle est... Christine, elle est... Elle a pété un câble, elle s'est défoncé son crâne contre la porte, elle a envie de sortir, de prendre l'air. Oh putain. C'est la voix de notre père qui dit je suis là. La grand-mère elle a dit je suis là. Oh les amis, ça fait longtemps que j'étais pas aussi terrorisé dans Mortuary Assistant. Je me fais autant, ok, je me fais avoir par les jumpscares, mais là je suis terrorisé parce que je sais pas, je connais pas les amis quand il y a des événements comme ça. Oh pareil, la chair de poule, Johan, je t'explique même pas, je l'ai partout là. Format des leads. J'en profite pour remercier les amis TikTok et YouTube qui nous regardent. Si vous aimez l'horreur, les amis, oubliez pas de follow. On fait que ça. Et on est très nombreux à vous accueillir avec plaisir sur Twitch. Si vous voulez une bonne qualité, faut pas hésiter à passer. Format des leads. Je l'avais sur moi ou pas le format des leads? Il y avait un bonhomme bizarre à côté du four? Non, il y avait quelqu'un à côté du four? Ah! Un bonhomme bizarre, ouais, c'est un démon, hein. J'ai déjà vu des bonhommes bizarres, hein, des fois à la sortie des PMU, etc. Et ils étaient pas aussi flippants. Hein. Merci Darkrim pour follow sur Twitch. Bienvenue à... C'est elle qui pleure, c'est la mamie. C'est la mamie qui pleure. Coucou Salem, ça va? Vous pensez qu'elle est encore là ou pas? Mami, vous êtes là? Tenez bon. Mami est encore là. Ok, on a gardé Mami. Il faut du format des leads. Le format des leads, ça doit être ça, non? Ouais.
Ok, et du coup, en fait, là, en fait, on va purger son sang pour le remplacer par des liquides qui permettent de mieux conserver. On met un liquide un peu particulier, un réactif chimique, pardon, qui permet de faire réagir un peu mieux le démon. Et en fait, ce réactif, tant pis, je vous spoil un peu, les amis, mais ça fait un an qu'on le fait sur la chaîne, pour ceux qui voulaient le faire. On a vu que c'était avec du sang de ceux qui étaient possédés qui faisaient ça. Je vous spoil pas tout, comme ça je vous tease. Ok, ça c'est fait. Il faut faire l'incision au scalpel dans la jugulaire maintenant. Bah, non, pour moi elle a pas rigolé, elle a pleuré. Hein. Pour moi c'était des pleurs. C'était des rires ou des pleurs? Pour moi c'était des pleurs. Hein. Je pense. Hein. Attendez, j'ai pas trouvé les scalpels. Puis ce qui est bien, quand tout est déplacé, vous pouvez m'aider à trouver les trucs. C'était des pleurs, on est d'accord. Vous avez vu les scalpels? Ah, ils sont là. Ok, alors. Pouf! C'est un coup de vent, c'est un courant d'air. Courant d'air, vous inquiétez pas. La pince et un tube. Les pinces, je crois que je les ai vues. Les tubes, c'est ça. Et les pinces, je les ai vues tout à l'heure. Il y a une grosse mise à jour, ouais, parce que le jeu, il est sorti aussi sur console. Sur Xbox et PlayStation, ils ont rajouté plein de nouveaux jumpscares, des nouveaux corps. Et un mode embaumement. Mais ce qui est dommage, dans le mode infini, il n'y a pas de peur, en fait. C'est juste de la simulation d'embaumement. C'est un peu dommage, je trouve. Je comprends pas pourquoi ils n'aient pas mis les jumpscares et tout. Parce que les gens, ils jouent pour avoir peur à ce jeu. Contrairement à Autopsy Simulator. Mais peut-être qu'ils le mettront un jour, hein. En tout cas, une grosse mise à jour, ouais. Et en fait, c'est la Definitive Edition qui est sortie aujourd'hui. Le 2, il y a deux jours. Et là, pour l'instant, de ce qu'on a testé, on a eu pas mal de nouveaux événements qu'on n'avait jamais eu, à peine commencé. Merci Ambre pour follow. Bien la commu. Ok, alors. La pince, les tubes. Salut Mel, ça va? Ok, vous m'avez dit quoi du coup? L'Irish Coffee? Allez, on commence un petit Irish Coffee pour se chauffer. Et? Bah, il manque un truc, j'arrive pas. Activez la pompe. Why did you let me die? Pourquoi tu me laisses pas mourir? C'est notre père, les amis. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Merci Capica pour les 100 bits. On ne peut rien faire. Ah, je peux pas lui donner un truc. Tiens, je te donne une bande de délivrance, papa. Non, il s'en fout. Il s'en fout. J'ai cru que j'allais faire bugger. Tout est ta faute. Je regrette chaque seconde passée à côté. Passée à tes côtés. Et ben, c'est génial le papa. La mamie a évolué, ouais, c'est comme le Pokémon. Ok, allez. Mamie, c'est l'heure de la purge. Écoutez bien le son de la Senseo que ça va... qui va se passer. Vous allez comprendre pourquoi je prépare les boissons chaudes. La thème à château, on fera après. Talisman, on a déjà fait un, hein, tranquille, vous inquiétez pas. Tout ce qui est talisman, gribouillon, je prends mon temps, vous en faites pas. Je gère. Là, ça c'est le bruit de la Senseo au matin. On va faire un petit gribouillis d'ailleurs. Alors, madame, je vais vous débarrasser de tout ça parce que... Par contre, moi j'aime bien... Alors attendez, je vous laisse les pinces et tout le bordel pour l'instant. Moi j'aime bien voir les portes. Je sais qu'il y en a plein qui me disent mais ferme les portes, Ken Gros. Moi, je préfère voir arriver la mort d'en face. Salut Choupi. C'est-à-dire quand quelque chose arrive, je préfère le voir au fond du couloir. Je trouve que c'est mieux dans ce jeu d'avoir les portes ouvertes. Comme ça, si quelqu'un se trimballe, on le voit au moins. Non? Tu ne trouves pas que c'est mieux?
C'est mieux, non, de savoir. C'est la Dolce Gusto. On est d'accord, Kirokab. C'est le vrai bruit de la Dolce Gusto. Je vous jure, c'est trop ça. C'est hyper proche du bruit. Merci, Sabrina, pour le follow sur Twitch. Bienvenue à Commu. Tu préfères rester dans le déni, Iniziel? Ouais, mais au moins, on peut se préparer, on peut partir, on peut se cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Ah je crois que c'est l'un des plus gros karma que je me suis pris, les amis. Il était à l'endroit où je voulais me cacher, vous l'avez vu. Vous avez le temps de le voir qu'il était sous le bureau. Il était sous le bureau. J'étais en mode, non mais je peux me cacher parce que c'est ma technique des fois de me cacher là. Il était juste là. Il était, j'arrivais, il était juste là, à l'endroit où je voulais montrer. En gros, je peux me cacher là. Oh my god. Oh, ça m'a tellement fait peur. J'ai tellement foncé dessus en mode... Vas-y, fonce. I already have one of those. On fera un autre talisman après. Oh la vache, il m'a tellement fait peur, il m'a surpris ce con. Poche de transfusion vide. Ah oui, il faut faire la liposuction. Même si on fait l'inverse du... Ça c'est quoi l'inverse d'une liposuction? C'est une lipo... C'est quoi l'inverse de succion? Une lipo-enfoncement? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Merci GTA pour ton follow sur Twitch. Bienvenue à la commune. Allez, sortez votre meilleure paille de Capri-Sun. Et c'est parti. Injection. Hypersuction? Bah non, parce que succion, il y a succion. Lipograsse, c'est peut-être ça. Parce que là, on est d'accord qu'on met du liquide, en fait. J'ai l'impression qu'on aspire comme une paille, comme si on buvait du Capri-Sun. Mais en fait, on injecte, là, non? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Le bruit, il est très bien, non? Vous n'avez pas le Capri-Sun, vous? C'est vrai, j'ai le tiens. Bah, de toute façon, ce jeu il est tellement terrifiant avec les nouveaux jumpscares. Déjà, quand je commençais à le connaître presque par cœur, il arrivait à me surprendre. Les nettoyants de la salle de bain. Oh non. Oh, vous pensez. Oh putain, je suis sûr qu'ils ont rajouté. Google, il dit liposculpture. Ok. Je sens, les amis, qu'ils ont rajouté des nouvelles peurs dans la salle de bain. Cette salle de bain, c'est la salle de bain de l'angoisse pour moi. Elle est terrifiante. J'ai trop peur de me faire enfermer là. Et j'ai trop peur que là, il y ait quelqu'un derrière moi, par exemple, vous voyez. Ah, c'est un sondage. C'est pour un sondage. Oh, ce téléphone-là, il a jamais sonné, non? Hello. Hello. Why are you still doing that? I'm going to kill you. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Rebecca? Je vais venir te tuer. On l'avait trouvé cette boîte. C'est pas nouveau, ça? Non, c'est le magnéto. On l'avait fait ça. On avait tout regardé. C'est le compte CPF, ouais. Comme toujours. On les a fait, donc on va pouvoir nettoyer la pompe maintenant. Putain, j'ai foutu un bordel, il y en a de partout par terre. C'est bientôt fini, madame. Pour l'instant, vous en pensez quoi? Pour l'instant, pour moi, c'est pas elle qui est possédée. Pour l'instant, c'est safe. Moi, je dis c'est pas elle. Je trouve pas que ça soit elle, les amis. Merci Mathéo pour le follow, bienvenue à la commu. Je pense que c'est plus celle qui s'est tapé la tête contre le mur. On dirait qu'on est en train de pisser dans le réservoir, le bruit. Ça en a fait. La petite beauté. L'hydratant, le petit geste fraîcheur. Voilà, on y va, mamie. Merci KSTM. Pour le premier mois de sub, on a un nouveau petit fantôme dans la commu. Merci à toi pour ton soutien. Pour ton premier mois de sub. Ok, c'est parti. Donc c'est pas elle, on est d'accord. Hein. Elle, c'est mort, hein, je pense, pour l'instant. Enfin, on verra, hein. Il peut se passer encore des trucs, mais c'est peut-être la sauvegarde des gribouilles, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas lequel on va faire en second. Je vais vous redemander. Entre Christine et l'autre. Alors. On a Christine en 1. Et on a Felton en 2 qui a un nouveau body type. Un ou deux dans le chat, dites-moi. Un ou deux. Merci Mephisto pour les 7 mois. Comment ça va?
Merci à toi pour les 7 mois de soutien. Je vois beaucoup de 1 quand même. Ça c'est serré, il y a beaucoup de 2 aussi. Oh, ah c'est vachement serré hein. C'est vachement serré. Alors sur Twitch c'est vachement serré, sur TikTok c'est serré aussi hein. Il y a un peu plus de 1 je dirais. Je pense qu'il y a un peu plus de 1, très légèrement. De toute façon on va tous les faire. Putain ça m'a fait ouvrir mon carnet. C'est quoi cette... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? Il vient de me péter dessus. C'est... Le démon m'a pété dessus. Non c'est ça? Ça faisait un nuage et il a fait... Genre le... Il s'est soulagé quoi. Il était... Ah ça va mieux. Merci Julie pour les... Ça fait 3 mois du coup, c'est bien ça pour les 3 mois de sub. Merci à toi, merci beaucoup. C'est le petit fantôme au bout des 3 mois. Are you sure? Bah oui, je suis sûr. Attendez, on va faire le gribouillis parce qu'il est en train de nous posséder là. On dirait toujours qu'il nous regarde quand on est dans ce couloir, vous avez vu? Ok, alors. Vous madame, c'est Christine Martin, ou Marine plutôt. Elle a que 3 marques, c'est pas beaucoup. Hein. Les démons, ils ont souvent beaucoup de marques sur eux, là il y en a pas beaucoup. Hein. Donc, je sais pas trop. Hein. On est sur la mise à jour de Mortier Assistant, les amis. Pour ceux qui demandent sur TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre les amis TikTok et YouTube. Je suis sur Twitch, vous allez avoir une super qualité. On sera nombreux à vous accueillir. Et je vous fais gagner des jeux en plus souvent sur Twitch, vous allez voir, un truc incroyable, Twitch envoie des notifs de live. Chose que par exemple TikTok ne fait plus. Comme ça vous savez quand je passe en live. Si vous aimez l'horreur. Et maintenant c'est tous, et maintenant c'est tous. Putain je sais pas qui est possédé hein. C'est pas bientôt fini ce bordel. Oh, et mes voisins ils doivent m'entendre, ils doivent... La mamie, c'est la mamie, elle m'a foncé dessus, elle m'a chargé. Elle m'a chargé comme un taureau. Non mais c'est quoi cette arme? Elle m'a chargé comme un taureau en mode allez, c'est la corrida. Mamie, elle a pété un câble, non? Oui, c'est la mamie comme dans Rec, mais grave, on dirait ça. D'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle d'horreur qui s'appelle Rec qui est sorti qui a l'air trop flippant, on va le faire dans la semaine. Merci Grelet, H Grelet pour le flow. Bienvenue à Commu. Donc c'est peut-être elle, hein, vu qu'elle est sortie. Il y a moyen que ça soit elle, hein. Ouais, mais elle était hyper discrète, hein. Oh, elle était tellement discrète. Oh la vache! Ok, imperfection à la tête, on a fait. Il manque une trace à trouver. Merci Jessie pour les 5 mois de sub. Merci à toi, 5 mois déjà, j'espère que tu vas bien. Elle avait un masque à gaz? Non. Elle avait un masque à gaz, c'est vrai? Sur la poitrine, ouais, bien vu. Ok. Elle, elle a que 3 signes, ça fait pas beaucoup. Hein. Souvent, j'ai remarqué, ils ont beaucoup de marques et souvent des griffures. Merci Pauline également pour follow sur Twitch. Bienvenue à Commu. Alors, Christine Martin, elle a des imperfections à la tête, kératolyse à l'épaule gauche, des imperfections à la jambe droite. Et elle a 29 ans. Allez, c'est parti, c'est Christine and the Queen. Faut qu'on fasse les talismans aussi parce qu'on a qu'un signe, les amis, c'est pas, ça, ça va pas. On essaye de trouver un autre signe. Faut faire en général au moins un talisman par corps qu'on prépare. Putain, y a rien, c'est bizarre, non? Bah, c'est ça, la mamie, elle avait des griffures dans le dos, Polo, donc c'est pour ça. C'est la grand-mère? J'espère que je vais pas faire bugger le jeu parce que je suis spécialiste pour ça. Hein. J'ai déjà réussi à faire bugger ce jeu. Alors que pourtant, il en a pas normalement. Je vais passer de l'autre côté. Les nouveautés du jeu, il y a plein de nouveaux jumpscares et de nouveaux corps. Inédits. Merci, mamie Joyce, pour le sub gift. Merci à toi. Merci beaucoup. Merde, mais c'est pareil. Ah non, mais je suis plus proche de l'interrupteur, donc c'est mieux. «
Et franchement, c'est malin, non? Merci Millie pour le follow. Bien bien commu. Fallait poser son dossier, elle non, je l'avais imprimé. Ouais. Ok, allez, faut qu'on la prépare parce qu'après, alors, pour ceux qui connaissent pas de gens, on peut mourir possédé si on met trop de temps. Donc il faut que je fasse attention. Alors j'aime bien prendre mon temps et profiter avec vous. C'est le but, hein. Je suis pas là pour hard try, vous me connaissez. Mais on va essayer de pas mourir quand même, ok? Ah oui, le talisman, vous êtes talisman. Putain, il apprend qu'il y a pas. Regardez, tellement je bouge n'importe comment, j'ai appuyé sur la barre espace, ça fait mettre le truc. À peine j'ai arrivé, il est. On dirait un 3. Sérieusement, quoi. Oh, entre ça, je crois que le pire moment tout à l'heure, c'est qu'on a couru. Mais attendez. Non, on a perdu le cadavre! Cachette! Même s'il y avait le démon qui était là tout à l'heure. On a perdu notre corps. On a perdu notre mort. Comment on va expliquer ça à Raymond, au chef? Elle était là et pouf, il a disparu. Madame, je sais que c'est pas vous le démon, vous inquiétez pas. Je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi, ok? C'est mutuel. Un pas vers vous. Non mais j'avais demandé un pas vers moi, vous m'avez fait 36 pas et sur le côté là. Donc c'est pas vers moi le pas. Un pas vers vous. Un pas vers moi. Un pas vers vous. Un pas vers la lumière, oui. Oh. Et n'empêche, ça a marché, vous avez vu? Elle m'a pas fait peur. Alors, fermez la bouche. Putain, mais on est en retard. Attendez, je vais ouvrir les portes de l'enfer là-bas parce que j'aime bien voir ce qui se passe en enfer. Oh putain, la lumière elle est éteinte ici aussi, il fait chier. Merci Quentin, Otis et Julian pour, pour les follow sur Twitch, bien la commu. Ils ont rajouté aussi un mode embaumant, mais c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de peur dans le mode embaumant. C'est juste un mode réaliste, je trouve ça dommage, mais après c'est pas grave, je l'ai tellement incroyable déjà. Oh Chloé, ça fait les 1 an. Merci pour les 1 an. Merci beaucoup pour tout ton soutien depuis cette année. Et j'espère que tu vas bien, que tu passes des bonnes vacances. Et merci 823 pour ton follow. Ok, les aiguilles à fixation, allez, on s'occupe de la bouche. Elles sont les aiguilles à fixation. Il y avait ça pour les élastiques. Et les aiguilles sont là. Okay. Ouais, faut qu'on fasse gaffe au timer, mais je pense que ça devrait aller. Les fois où on meurt possédé, c'est vraiment quand on a des événements, par exemple, où il faut aller dans sous-sol où ça dure longtemps. Après, j'ai tout pris pour avoir les autres événements parce que je me dis il va peut-être se passer des trucs. Par exemple, quand on est au sous-sol, il va peut-être se passer d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'avec la femme qui est dans le sous-sol, il va se passer d'autres trucs. Donc je me dis, ça vaut le coup de refaire un peu toutes les possibilités, toutes les fins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on sait pas ce qu'ils ont ajouté. Ils ont ajouté des plein de peurs. Mais... Et du lore. Donc ça se trouve, il y a des trucs qui nous apprennent plus sur l'histoire. Ah oui, talisman qui ressemble à un 3. Vous avez raison, je l'ai pas mis. Ouais, il s'est pas, ils m'ont interrompu. Je me suis pris la porte dans la gueule. Merci Nico pour les 2 mois. C'est le foufou au bout des 2 mois. J'espère que tu vas bien, Nico. Merci à toi. Ensuite, c'est pour les yeux. Alors, madame, vous allez faire de beaux rêves. Il y a quelqu'un qui a couru. Il y a quelqu'un qui a couru. Vous l'avez entendu ou pas? Fuck, le machin il est possédé. Il est possédé. Merci Tonio pour les 2 subgifts. Merci à toi Tonio, vraiment. Merci beaucoup. Ok, bon allez madame, c'est l'heure de fermer les yeux. Elle a des grands yeux, hein. Elle doit avoir des super beaux yeux. Ok, ah ok, je passe la commande de... C'est la commande de café. Let's go. Après, après Starbucks, Stark and Row. Non, Kenro Buck plutôt. Qu'est-ce que je vous sers? On va faire marcher la Dolce Gusto. Non, ça on s'en fout. Merci à Pility pour le follow sur Twitch.
Café noisette, c'est bon, hein. Je crois que j'en ai bu qu'une fois dans ma vie, mais c'était bon, hein. Oh, café liégeois, c'est trop bon. Ah, mais j'ai déjà mis? Ah oui. Café liégeois, c'est trop, trop bon. J'hésite avec le café noisette, parce que le café noisette, ça fait longtemps... Capucci Kenro, du Capucci Enrand. Non. Le ça. Merci Humilia également pour follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. On a tout mis, il faut le réactif. Peut-être que si on a l'événement qui nous met au sous-sol, vous verrez comment sont faits les réactifs. Hein. J'ai l'impression qu'il est chaud pour le café noisette. Ça a l'air de bien lui plaire le café noisette, non? Il est venu passer sa commande. What the fuck? Ok, ensuite, le petit coup de scalpel, et il nous faut ça aussi, je crois. Non, ça, ça va être pour après. Le petit coup de scalpel, et ensuite les écarteurs. Café viennois, ça a l'air d'être bon. Non, mais le café noisette, je pense que c'est bien, parce que j'avais oublié, ça fait une éternité que j'en ai pas bu. Et c'est vrai que c'est pas mauvais. Il nous restera un patient encore, hein, donc on pourra faire d'autres commandes. Hein. Voilà. Elle a été sage, hein. Enfin, dans tout à l'heure, elle a marché quand même sur le côté. Non, elle a pas été si sage que ça. Entre les deux premiers, c'est qui? Parce que la grand-mère, elle était sage, mais elle nous a foncé dessus comme un taureau en mode corridor. Du coup, je sais pas. Elle a bougé? C'est vrai qu'elle a dit? Ah ouais, yes, I did, but I don't want any kiss from her, sorry. Moi, je sais pas. Hein. La mamie? Moi, je pense que c'est la mamie. Je pense aussi que c'est la mamie. Hein. Il n'y a rien que ce soit la mamie. Hein. Quelqu'un m'a dit sur TikTok qu'elle avait bougé. Alors, pour rappel, des fois, ils peuvent bouger juste un petit peu les pieds ou les doigts de pied. Et c'est souvent ça qui les trahit, en fait. C'est pas parce qu'elle a marché que c'est elle. Parce que, par exemple, imaginez, c'est la grand-mère. La grand-mère, elle peut faire déplacer les autres corps pour semer le doute. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand des fois, il y a des petits spaces, c'est qu'ils n'arrivent pas à se retenir. Et ça les trahit. Donc, plus les gestes sont discrets, plus ça les trahit. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à bien regarder. Et à m'indiquer si vous voyez des choses, en fait. Vraiment. Ça peut être un petit claquement, des petits clignements des yeux, des mains bougées, des choses comme ça. Et merci Jérémy pour le follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Merci pour les nombreux follows sur TikTok et YouTube. Une fois de plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les amis. Et à follow tout court. Si vous aimez l'horreur. Oh mon dieu, il fait sombre là-bas. On fait que ça ici. Et vous aurez énormément d'avantages à venir sur Twitch. Vous allez voir qu'on va vous accueillir avec. Avec tout ce qu'il faut. Merci Elodie pour le follow. La mamie, elle a un problème avec la... Mais attendez, ça fait deux fois qu'elle marche comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare pour les JO? Ça fait deux fois qu'elle fait son entraînement à marcher dans les... Oh, faut arrêter maintenant. Oh! C'est... On est à une morgue, on n'est pas un cours d'aérobic là. Toutou, youtou. On n'est pas un cours d'aérobic, hein. Merci Skyamel et Faucon pour follow. Bienvenue à la commu. Donc là c'est la poche de transfusion vide. Là il va falloir faire le Caprisson. Putain, ça a foutu un bordel partout. Ça a envoyé voler les trucs. Il est où le sac? La poche à transfusion. Ouais, je pense que je suis d'accord avec vous, pour l'instant c'est plus la mamie, même si elle bouge beaucoup. Mais je suis pas sûr, vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des fois c'est évident, on est sûr. Et là, ça fait partie des fois où j'ai un gros doute. Hein. Vraiment, c'est limite du 50-50 pour l'instant. Il y a des fois, vraiment, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Genre, le démon nous met à parler alors qu'on lui a fermé la bouche. Ou... Ah bon? Ah oui. Merci Mélanie, nouveau petit fantôme. Dans la commu, merci pour ton premier WhatsApp. Merci à toi pour ton soutien. C'est Morgane, coucou les arrivants. On est sur The Mortier Assistant, les amis, sur la dernière mise à jour. Alors ça, c'est bien, parce que quand il y a des événements comme ça, ils ont peut-être rajouté des choses. C'est ça qui va être intéressant de regarder. Sachant que les événements sont aléatoires, c'est pas parce que... Oh mon dieu, c'est quoi ce bruit?
Vous allez voir que je vais me faire ban sur TikTok parce qu'ils ils vont croire que je vous rote à la gueule alors que non. Oh. C'est l'événement pour aller au sous-sol? C'est pas vrai. East. Non, alors c'est East 70 normalement le groupe 1. C'est pas East 44. Vous pouvez retenir 44. Je me souviens plus du code à chaque fois, mais c'est pas. Je sais que il change pas, mais on le refait ensemble à chaque fois. C'est 44 les deux derniers numéros du code. Elle a pas l'air bien, Rebecca. What are you doing here? Et on se retrouve dans les toilettes de l'enfer, comme par hasard. Comme par hasard. Regardez, je me faxe. Alors. Poche de transfusion. Ah oui, on était au Capri Sun, c'est ça? Je crois qu'on était à ça. Les modos sur TikTok, je sais pas si vous avez vu... Alors je suis désolé Salma, si t'es là, j'ai peut-être loupé ton message. Les modos, si vous avez vu Salma, n'hésitez pas à lui dire de consulter ses... TikTok, à consulter ses MP. Merci Guillaume pour le follow sur Twitch, bienvenue à Commu. Ah c'est bon, je me disais ça marche plus. Ouais je sais qu'il y a le code antique, change pas Eline, mais le but c'est de le faire avec vous et pour ceux qui connaissent pas le jeu. Et vu que de toute façon j'ai pas de mémoire, j'oublie, je préfère qu'on le refasse, qu'on le découvre ensemble. Ok, Joyce. There we go. Mélanger les nettoyants du placard de la salle de bain. Oh non, je veux pas y aller dans cette salle de bain. Je suis sûr qu'ils ont rajouté au moins un truc, un événement dans la salle de bain, c'est sûr. Je sais, vous pensez que je me lave pas les mains, mais je me lave les mains après faire pipi. Hein. Voilà. J'ai séché. T'en doutes, Sony? Merci Matt pour follow sur Twitch. Bienvenue à la commune et merci Ben Irak également. Hello les a. Les arrivants. Elle va faire quoi, les amis? Elle a jamais fait ça. Les amis, elle a jamais fait ça. Je sais pas ce qui va se passer. Elle a jamais fait ça. Elle reste comme un piqué devant et elle me fixe. Au secours. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. 9, 10. À 10, elle disparaît. Oh! Oh, incroyable! Incroyable! Incroyable, ça marche! Oh putain, j'ai l'impression d'être une sœur Halliwell dans le charme! Oh, j'ai fait une formule magique et ça a marché! Oh, c'est un truc de fou! Je savais pas. Mélanger les nettoyants du placard de la salle de bain. Bon, on l'a fait, ça. J'en sais pas. Et faut qu'on fasse les signes aussi. Attendez, il n'y a plus rien qui marche. Qu'est-ce qui se passe? Ah oh putain, j'ai empiré la situation. Non, j'ai empiré la situation, elle s'est énervée. Dieu t'a abandonné. Ce chemin.
Putain, je sais plus ce qui se passe, les amis. Je sais plus ce qui se passe. Il a une tête, je vous jure. Il est proche du level du démon de Insidious. Je trouve, il est tellement flippant. Il est tellement flippant, je me suis presque habitué à sa tête, mais il est tellement flippant, les amis. Il est presque au niveau du démon de Insidious, je trouve. Ok. Faut qu'on la finisse, parce que le temps, il tourne. Faut qu'on fasse les talismans aussi. Je vais aller prendre un talisman, on va regarder si on est beaucoup possédé. Plus le signe, il est précis, plus on est possédé, donc faut qu'on se bouge. Fallait qu'on fasse la liposuction. On va essayer de trouver un signe. Parce que là, il s'est passé des trucs de dingue. Oh non, mais la lumière, elle est encore éteinte! C'est pas possible, ça! Ok, il y a un signe qui a dû apparaître par là, vous le voyez? Ah bon, bah voilà, un P à l'envers. Comme ce que m'a fait le démon tout à l'heure. Il est ici. Ok. Ah merde, j'ai plus ce qu'il faut. Que c'est que ce bordel? That's not it. Bah... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus l'aiguille? Ah, il me faut l'aiguille, je pense. Je pense que j'ai oublié de prendre l'aiguille. C'est le Caprisson. Non, c'est pas ça, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, fallait nettoyer. Fallait nettoyer, il y a un événement qui est arrivé, du coup c'est pour ça. Ok. Oh la vache, il me donne chaud le jeu. Déjà qu'il fait chaud. Merci les amis TikTok et YouTube pour follow. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Comme d'hab, je vous le répète les amis, mais au moins vous avez les notifs de live. Donc si vous aimez l'horreur, vous avez toutes les notifs, vous savez quand je suis en live. Vous aurez une super qualité, je vous fais gagner des jeux d'horreur toutes les semaines en plus. Je vais essayer de vous faire gagner 7 Days to Die cette semaine. Je devrais recevoir les clés cette semaine normalement. Rebecca! Why aren't you coming? On va faire le tour. Rebecca. Shh. I'm not here. I'm not Rebecca. I'm Kendro. I know I have an American accent, but trust me, I'm not the one you think. On va arriver dans son dos, on lui fait peur. Elle est là. Elle est dans le dos. Boum. 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 Je vais me faire karma. Le jeu va se venger. Le jeu va se venger. Putain, je peux pas la karma, les amis. Je vais me faire défoncer par le démon. Il va me tuer. C'est sûr. C'est sûr et certain. Mais c'était drôle, c'est dommage que j'ai pas pu ouvrir la porte, ça aurait été drôle. It's me, Kenro, from the United States of Lyon. Putain, maintenant c'est elle. Moi j'ai l'impression que c'est quand même la mamie, les amis, mais je suis pas sûr. Elle, on l'a beaucoup vue quand même. On l'a vu beaucoup, elle, quand même. Ouais, c'est tout à l'heure quand ça a tout badingué. Tout à l'heure, le démon s'est énervé, je sais pas, ça fait de la télékinésie. Et il y a tout qui est parti dans tous les sens. Le nettoyant sur le visage. On avait fini la liposuction? Sérieux? On avait fini Caprisson? Il se passe beaucoup de choses. Bah, moi, franchement, je suis pas persuadé à 100% que ça soit mamie. Hein. Je vous jure, j'ai vraiment le doute, hein. Il y en a qui sont sûrs. Je vous demande pas de savoir si c'est la mamie ou elle, mais juste votre pourcentage de... Comment dire? De confiance. Je vous êtes 100% sûr de savoir ou vous avez le doute? Moi, honnêtement, j'ai vraiment le doute. Hein. Putain, et maintenant, c'est... Par contre, c'est encore elle. Hein. C'est encore Christine. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est Christine, les amis. Hein.
Est-ce que c'est moi? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un en face? Là, il y a bien quelqu'un. Il y a bien quelqu'un. Je crois que c'est elle, non? Mais attendez, elle est en double? C'est moi ou elle est en double? Franchement, je la reconnais. Je reconnais sa coupe de cheveux. C'est elle? Elle est en double, on est d'accord? Pour moi, elle est en double. Hein. Mais elle a bougé le... Do the dead comfort you? Elle a parlé, je crois que c'est elle. Les amis, pour moi, c'est elle. Pour moi, c'est pas la mamie, pour moi, c'est elle. Après, la mamie pourrait parler à travers sa bouche, hein. C'est possible. Hein. On l'a fini ou pas, elle? Moi, j'ai l'impression que c'est elle, hein. Je vous jure. Hein. Après, je crois que la mamie peut parler à travers sa... On va voir le dernier, ok? Il nous en reste un. Mais par contre, je pense que c'est elle, mais je suis genre sûr qu'il y a 60%, un petit 60%, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas sûr. Je sais pas comment ça marche avec le sac. Je veux bien que tu m'expliques après, capitaine. On va faire le troisième corps. Le sac, ça nous permet de savoir si on a le bon corps ou le nom du démon, ou les deux. Hello les arrivants. Le sac, ça nous permet de faire quoi, pour rappel, les amis? Hello les arrivants. Ah, les amis TikTok, vous voyez qu'il y a des reports. Ça veut dire que le live, il peut couper à tout moment. Donc je vous invite à faire deux choses. À follow si c'est pas déjà fait, comme ça vous retrouvez le live. Parce que ça coupe, je relance au bout de 10 minutes. Comme ça vous retrouvez la chaîne si vous aimez le contenu. Et si jamais ça coupe, ou même avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, comme ça vous aurez pas la coupure, parce que ça peut arriver là. Merci Quen pour le follow. Bienvenue à la commune et Malo pour les 9 mois. Merci à toi pour les 9 mois de sub, Malo. Ok. Ouais, c'est chouette, Dirio. On n'a pas vu le troisième. Tant qu'on n'a pas vu le troisième, mais il y a plein de fois où c'est évident. Il y a des fois où c'est pas évident, comme j'étais à l'heure. Ça fait partie des fois où c'est pas évident. Par contre, il est trop bien fait, lui. Hein. Vous avez vu les rides et tout. Il est trop, trop bien fait visuellement, graphiquement. Merci 06 et Laurie pour le follow. Il est trop bien fait, je trouve. Le visage et tout, il est... ça se voit que c'est un nouveau modèle. Je trouve plus réaliste que les autres. Même si les autres, ils sont beaux. Hein. Felton Harris, je crois. Harrell, pardon. Il a 58 ans, il a 5 marques. Merci Amandine et Sasa également pour le follow. Et de une. Deux. Oui, c'est des nouveaux modèles de corps. Avec la mise à jour, ils ont rajouté plein de nouvelles personnes. Et des nouvelles peurs. Donc c'est plus ça qui est plutôt cool. Je trouve que c'est cool d'avoir plein de... Là, on en a déjà eu deux, donc s'ils en ont rajouté un paquet, c'est plutôt cool. Attendez, il y a un truc sur le pied. Merci Gab et Slowy également pour les follow sur Twitch. Bienvenue à la commu. Hello les arrivants. Ok, je crois qu'on a quatre signes. On n'a pas regardé derrière. Ça se trouve, il a une griffure. Les griffures, je trouve que... Putain, il a une griffure, les amis. Les griffures, souvent... Pas tout le temps, c'est pas obligatoire. Mais j'ai remarqué que les griffures, c'est souvent ceux qui sont possédés, ils en ont une. Ok, on a les cinq. Felton Harrell, 58 ans, imperfection à la tête, égratignure à l'épaule droite avec hémangiome, imperfection au bras droit, imperfection à la jambe droite. On a tout, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, c'est la voix de ma grand-mère qui me demande de l'aider. Mais on... Elle nous agresse avec un couteau. Qu'est-ce que je voulais voir? Le pourcentage de possession. Ok, on a les codes du démon, les amis. Ok, il nous reste plus qu'un signe. Attendez, on a combien de signes? Ok, on a plus qu'un signe. Il faudra regarder le talisman qui nous reste. Et en fait, les démons, ils sont classés dans différentes... je sais pas comment dire. À chaque fois, je dis école, comme les écoles magie d'Harry Potter, mais c'est pas vraiment ça. Différents ordres de démons. Catégorie, c'est plus un ordre, une caste, je sais pas comment dire. C'est des regroupements de démons différents. T'as les démons de type immolation, les aiguilles. Les aiguilles, je crois qu'il faut ça. Merci Roi de Pique également pour follow. Elles sont où les petites boîtes?
Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est celle-là. I already have one of those. Mais j'ai déjà... Attendez, c'est quoi que j'ai pas pris? Je sais plus ce que j'ai dans l'inventaire. Non, ok, c'est... Oh, j'ai cru voir quelqu'un là-bas, je suis fou. Il y avait personne là-bas. J'ai cru voir quelque chose. Putain, je trouve pas le... Ils sont où les... Les tape-mâchoires, là? C'est ça. Pas comment ça s'appelle, mais tape-mâchoire, je trouve que c'est un joli nom. Merci Lulu pour le follow sur Twitch. Bienvenue à Commu, on est sur la mise à jour de la Definitive Edition de Mortuary Assistant, qui est sortie il y a 2 jours. Qui rajoute du nouveau contenu. Sur ce jeu déjà pourtant bien incroyable. Merci Mathie et Lulu également pour le follow. Allez monsieur, on ferme la bouche. Après elle souriait pas. La première, alors lui il sourit pas, hein, il tire la gueule. Lui il tire... Alors lui, au moins une chose dont on est sûr, c'est qu'il sourit pas. On est d'accord. Les couvreuils. Bim, c'est la cataracte. Hein. Moi aussi je l'aime bien, mais la lumière qui clignote pendant que je m'occupe de lui, j'aime pas trop trop par contre. Merci Marina également pour follow. Bienvenue à vous tous les amis. Ok, ça va être la dernière commande de café les amis. Enfin de Starbucks, de ce que vous voulez. Le café, qu'est-ce que vous voulez comme type de café? Dites-moi. Pendant que je fais chauffer la Dolce Gusto. Formadélide. Méthanol. Machiato, c'est bon. Il a bougé le pied? Il a vraiment bougé le pied? Café frappé, cappuccino et riche? On a déjà fait un Richard. Vous l'avez vraiment? Vous êtes plusieurs là à avoir vu bouger le pied ou pas? C'est KendroBTG sur Twitch, vous avez le lien en bio, que ce soit... TikTok ou YouTube. Ça, c'est facile à trouver. Et je pense que c'est mardi soir, je vous ferai gagner. Des jeux d'horreur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi, là? Il va faire caca? Il fait quoi? Regardez comme il est posé. Il fait quoi? On dirait qu'il est prêt à bondir. Il fait la grenouille. Il va me bondir dessus, on va rien comprendre. J'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu faire la grenouille. Hein. Ouais. Humectant. Non, ça on l'a fait. C'est, je sais plus où j'en suis, il suffit que je vois apparaître. Humectant, on balance. Ça on l'a à fond, hein, ouais. Je crois que c'est le... Non, je crois que l'humectant, c'est ça. C'est ça. Vous m'avez dit quoi, du coup, comme boisson? Et il faut le réactif. Café liégeois, c'est pas mal, quand même. Ok. Le scalpel pour la jugulaire. Putain, elle est revenue, les amis. Quand elle me regardait tout à l'heure. Elle est revenue. Elle est revenue, elle est là. Ok, petit coup de scalpel. Pouf. Voilà, c'est pour vous aérer les gorges. Par contre, ça craint là, on va mourir. Non, regardez, on voit tout flou. Attendez, faut qu'on se grouille. Les amis, faut qu'on se grouille. Je crois qu'on est en train de se faire posséder violemment là. Ça s'enlève pas. Putain, oh, c'était flou pendant longtemps, hein. Bah, je préfère aller voir arriver de l'extérieur que... De toute façon, ça va pas l'empêcher de passer, hein. C'est pas ça? Non, mais qu'est-ce que je fais? Ok, ça va là, les tuyaux. Voilà. Allez, café liégeois, parce que ça m'a donné envie tout à l'heure quand vous avez parlé de ça. C'est parti. On met en route la Senseo. J'en profite pour voir un petit coup. Il est encore là? Il est là? Il est encore là? Non. Non, c'est bon, je l'ai pas vu. Tenez bon, c'est bientôt fini, monsieur. Tenez bon. Voilà, là c'est la Senseo qui fait le café des joies. Ah oui, il nous reste un talisman à faire, vous avez raison. On l'a pas fait le quatrième. Si, on l'a fait le quatrième. Non? Attendez, j'ai quand même un petit doute.
Attendez, se mettent tous à m'insulter en démon. Celle d'avant, elle m'a insulté en démon, lui il m'insulte en démon, ils m'insultent tous en démon. Comment je sais lequel est le bon, moi, du coup? C'est pas très bon, hein, quand il fait ça, à un moment donné, il est là? Mais j'ai pas vu, vous l'avez vu, mais tout le monde me dit il est là, il est pas là. Il est pas là, les amis, on va mourir, Non, il est pas là. Ça se trouve, il dit, ouais, je suis ton père. Dans plusieurs démons, c'est pas possible, mais franchement, je sais pas. Je suis perdu, les amis, là, je suis perdu, honnêtement. Je pense qu'on va me faire un sondage sur Twitch pour savoir lequel c'est. Si les modos... alors, pas tout de suite, mais échauffez-vous les doigts si vous pouvez, sinon je ferai moins, hein, c'est pas grave. N'hésitez pas à me dire si vous êtes, si vous pouvez pas le faire, les modos. Je pense qu'on va vous faire un sondage pour savoir lequel des trois. Sa bouche est ouverte? Ah oui, parce qu'il a parlé. Mais celle d'avant aussi. Celle d'avant, elle a parlé aussi, les amis. C'est pas le seul. C'est ça le problème. Mamie, elle a fait des trucs de dingue. Je suis d'accord, elle nous a foncé dessus. Elle nous a chargé comme un taureau. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais plus ce que je fais. Et les deux autres nous ont parlé en démon. Donc. Ça peut être les trois, là. Merci Ratika pour ton message et pour les 6 mois. J'espère que tu vas bien. Merci pour ta présence en tout cas. J'ai fait n'importe quoi les amis, je sais plus ce que je fais. Remplir une poche de transfusion fluide. Ah mais putain, c'est la liposuction. Ok. Attendez, je suis en train de tout poser en vrac. J'ai l'impression d'être à Lidl là. Non, on a tout à 1 euro. Regardez, il y a tout en vrac de partout. Voilà. Merci Sweetness pour les 2 mois. C'est Fofolo au bout des 9 mois. Merci à toi. Oh oh. Elle est encore là, vous pensez? Elle m'a envoyé dans la gueule. Elle m'a envoyé le cadavre dans la gueule. Elle m'a envoyé un cadavre en mode choc frontal comme ça. Ok. Oui, on va faire le talisman après. Vous en faites pas. Je sais que c'est le truc qui vous inquiète le plus à chaque fois, les talismans. Bah du coup, je sais plus où j'en suis encore. Si, il nous restait la paille, non, pour le Caprisson, c'est ça, il reste plus que la paille. On prend la paille. Ah non, mais elle m'a balancé en plein dans la tronche, Bini. Merci Kamkam et Sarah pour vos follow. Donc là, on a ce qu'il faut. On va réussir à le faire, non? Non, je joue pas un truc. J'ai pas rempli de liquide, c'est ça? Putain, j'ai cru que ça, c'est... J'ai vu un truc blanc, j'ai cru que c'était lui qui était là. Caprisson, Caprisson. Oli vodka. Ça marche bien avec l'alcool, le Oli? Y'a moyen que ça marche bien en vrai. Hein. C'est les châteaux, coucou les arrivants. Ceux qui cherchent une boisson pour l'été, les amis, on est partenaire avec Oli. Faut pas hésiter d'utiliser deux codes promo. Vous avez CanroBTG, CanroBTG5. Oh mon dieu, on fait l'événement du sous-sol, les amis. On le fait. Ça se trouve, y'a des nouveaux trucs. C'est l'événement du sous-sol, ça se trouve, il va se passer des trucs. Ah ouais, Zignel? Nice. Vous avez KenroBTG pour moins 10% sur toutes les commandes et KenroBTG 5. Moins 5 euros direct. Ok, faut qu'on se dépêche, les amis, il y a des grandes chances qu'on soit possédé. Ah ouais? Oui, Amélie, ça marche pour le thé, vous pouvez le faire avec l'eau chaude, effectivement aussi. Merci NanaPix ou pour le follow. Le 1, le premier chiffre, c'est le 1, les amis. Premier chiffre, c'est le 1, les deux derniers, c'était 44. Allez, on va essayer de retrouver le code. De faire l'événement du sous-sol parce qu'il y a peut-être des nouveaux trucs. Vous allez voir ce qu'il y a dans le sous-sol. Vous allez comprendre. Ah ! Putain, j'ai gueulé comme un petit chien. J'ai l'impression d'avoir fait un cri de caniche. Ou un bruit de Yorkshire sur lequel on aurait marché sur la queue. Bon, après, se faire marcher sur la queue, ça va pas faire du bien quand même. Le troisième chiffre, c'est 7. On trouve là. Putain, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est lui. Le quatrième chiffre, c'est 0, les amis.
Et il a une pastille à la menthe. Ok. Il reste le quatrième. Non, le deuxième. Le deuxième. C'est le deuxième qui manque, c'est 9. Le quatrième, je crois que je l'ai dit, les amis. C'est le deuxième qui manque. Ouais, je crois que c'est ça, Grace. 19, 70, 44. Ok, au top. Merci à vous. Oh, alors, je vous le dis, on est en retard. Enfin, j'ai l'impression qu'on est déjà beaucoup possédé. Et ça, ça va rajouter du temps de jeu. Donc, ça va peut-être être chaud de le finir. Mais je me dis, c'est dommage de... Vu qu'il y a des nouvelles choses qui ont été rajoutées, faut un peu trop regarder dans le jeu, je pense. Parce que dans le patch note, ils ont vraiment dit qu'ils ont rajouté du lore. Donc, il doit y avoir des... Bon là je suis pas sûr si qu'on connaît cet événement pour ceux qui connaissent le jeu, mais... On a dit qu'il y a une pastille à la menthe. Sorry. Ça va être horrible de se faire enterrer vivant. Ça va être horrible. Horrible. Ceci sera votre tombeau. Ok, alors on a le code. Il va falloir qu'on se bouille. Hein. On va ouvrir un petit coffre fort. Avec ce coffre. Et ça va nous permettre d'aller dans le sous-sol et de voir ce qui se cache dans le sous-sol de cette morgue. Qui appartient à Raymond. Qu'on a vu ici, qui avait une femme Raymond. Merci Anne Fouladz pour le follow. Bienvenue à Commu. Alors, vous pouvez me redire le code? Ah parfait, merci Brandux. 19, 70, 44. Merci à vous pour les rappels dans le chat. Vous bougez pas, monsieur, hein? Hein? Vous bougez pas? J'arrive. J'ai une petite course à faire et... Et j'arrive. J'aimerais bien la libérer, moi. J'ai jamais essayé de la libérer, non? Est-ce qu'on ne libérerait pas sa femme? J'ai pas souvenir qu'on ait essayé de la libérer, hein, là. Franchement. Son ambiance, je crois pas, mais après c'est possible. La grande clé, non? J'avais pris la grande vieille clé. C'est pas là. Putain, je m'en souviens plus, chérie Chou. Et on meurt si on fait? J'ai envie de le faire, je m'en souviens plus. Il y a quelqu'un apparemment, dans le sous-sol, vous avez vu? Quand je vous dis que les réactifs, ils sont faits avec du sang, regardez à quoi ils sont faits, vous savez les réactifs... Je t'entends, c'est bon, pas besoin de gueuler, chacun son tour, je suis en train de parler aux gens. Regardez ça. Who are you? Qui es-tu? Look at you, look at you, look at you. Is Raymond here? Là je suis là. Là je suis pas là. Là je suis là. Là je suis pas là. Là je suis là, madame le démon, et là je suis pas là. Et là je suis là, regardez. Hey, j'ai plus peur. Attention, attention, j'ai plus peur. Coucou. Elle va me décapiter. You'll be here soon. Elle me dit que je serai bientôt ici aussi. Wait. I'm here. Je meurs si je la libère. Je meurs si je la libère, les amis, ou pas? Genre, il l'a libérée. J'en rappelle plus. We have to get out or... Non. Oui, non. Ceux qui savent. On meurt? Ok. Ouais, mais je me souviens plus. Et du coup, si je me souviens plus, vous devez plus vous souvenir. Ça va faire genre un an qu'on l'a pas ouvert. On meurt pas? La dernière fois, tu l'as laissé. En fait, on lui a jamais ouvert. J'ai pas souvenir, les amis. On a dû le faire, mais genre il y a un an en arrière, lors des premières parties. J'ai aucun souvenir. Moi, je l'ouvrirais bien pour voir ce qui se passe, les amis. Elle fait de la peine. Ok. Bon, là, elle m'a dit, j'ai besoin de quelque chose pour le couper. Jusque-là, ça allait, j'avais envie de l'aider. Et ensuite, elle a rajouté... Et là, je commence à avoir un petit doute, vous voyez. Il n'y a pas un marteau ou un truc du genre? Pas foutre un coup de ça. Je crois qu'on va la libérer, les amis. C'était la fin numéro 6?
Ah ouais? I can't use that here. Putain, mais comment on fait? Ok, est-ce qu'on peut faire un sondage express d'une minute sur Twitch pour savoir si on la libère ou pas? C'est au top. Et on va faire en sorte que vous pouvez voter avec les points de chaîne. Donc tous les 1000 points de chaîne supplémentaires, vous pouvez refaire un vote pour influer. J'ai le coup boulon. Une minute express, comme ça on perd pas trop de temps. On prend qu'une minute. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui voyez. N'hésitez pas à vite passer sur Twitch pour ceux qui veulent voter. Sinon, de toute façon, je vous lirai les votes sur TikTok. Mais on va voir ce que c'est Twitch qui va décider. Quoi, le dernier mot. Merci OC pour le follow. Bienvenue à Commu. Attends, on est bien possédé. Hein. On est vraiment bien possédé. Hein. Attendez. Ah, c'est bon, on l'avait pas. Attendez, on n'avait pas tout à fait l'école du démon. Elle a évolué. C'est quoi cette école-là? Mais j'ai jamais vu ça. C'est nouveau ça? Ok, le sondage est parti sur Twitch. Vous avez une minute pour voter. Merci Canu. Bienvenue à la Commu. Et merci Wenda. Wenida, pour les 3 mois. Coucou à toi, comment ça va? C'est le petit fantôme au bout des 3 mois. Le badge de la chaîne. Pour l'instant, non à 54%, 56%, c'est serré, hein. Oui ou non? Moi, je me dis, ça pourrait être drôle, hein. C'est vrai, plutôt? Moi, je fais assez confiance à Chéri Chouna, en général, là-dessus, elle gère. Donc, c'est serré, hein. C'est 45-55. Alors, dites-moi sur TikTok. Gallo, non. Dites-moi, pendant qu'il vote sur Twitch. Julie, oui. Perfoboy, oui. Sylvain, oui. Caddy, oui. Mamel, non, ça défile tellement vite les amis que j'essaye quand je peux quand ça s'arrête, mais Bye Wayna, oui. Léa, oui. Jade, oui. Il y a beaucoup de oui hein, sur TikTok, la vache. Ouais, voilà, sur Twitch, j'ai passé à 51%, les amis, c'est le match de l'année. Oh mon dieu, 51% à 49%. À 1%, enfin à 2% près. C'est le oui qui l'emporte. Merci Léa, merci Sou pour vos follow. Bienvenue à Commu. Voilà pourquoi je vous permets de cumuler les points de chaîne, parce que vous pouvez vraiment influencer la preuve avec Flore qui a dépensé presque 100 000 points de chaîne. Ah, elle dit, attends, tu peux pas l'ouvrir, c'est trop dangereux. Je crois que c'est à l'intérieur de moi. Tu as besoin. Prends cette marque. Et brûle le démon, et une fois qu'il sera brûlé, tu pourras me libérer. Problème, c'est que si on brûle, on n'a pas le temps. Mais si je la brûle, on n'aura pas le temps de la délivrer. Moi, je voulais voir ce qui se passe. Ah, c'est dommage, on peut pas la délivrer, les amis. On peut pas. Enfin, on essaye, mais elle nous dit qu'il faut qu'on prenne cette marque à la place. Oh, ok, je comprends, c'est pour ça qu'on dit que c'est la fin 6. Je crois qu'on peut pas l'ouvrir plus que ça, les amis. En fait, elle reprend le contrôle. Elle reprend le contrôle du démon et elle dit va poser cette marque avant de pouvoir m'ouvrir. Faut qu'on se rouille pour pas qu'on soit possédé. On en est où de l'autre? C'est la fin, on va poser cette marque. Alors, la marque, on oublie. J'ai pris la nouvelle. J'ai juste besoin de savoir. Est-ce que chez Richoun ou n'importe quel modo, vous pouvez refaire un sondage d'une minute pour savoir lequel on brûle? Parce que pour moi, les trois peuvent être le démon. J'ai aucune idée duquel des trois, hein, je vous le dis. C'est... plouf plouf pour moi. Les trois peuvent être. On a... le nettoyant de la salle de bain. On va faire le sondage sur Twitch, vous allez pouvoir décider qui c'est qu'on met dans le feu. Si c'est la mamie, Christine, ou si c'est le dernier. Ou si c'est papy. Mamie, Christine ou papy. Merci Kratos, Belle de Land, Flo Goku, Iliane, Liam pour vos follow. Bienvenue à la commu. La vieille bique. Moi, la grand-mère, je la sens pas, mais j'ai l'impression que c'est pas elle, je vous jure, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que c'est Christine, mais... J'ai du mal à savoir, hein. C'est la première fois que c'est aussi dur, hein. Il y a des fois, j'hésitais entre deux, mais là, j'hésite entre les trois, parce que lui aussi m'a parlé démon. Il y en a deux qui m'ont parlé démon, et une qui m'a chargé comme un taureau, donc... Merci Ricard pour le follow, bienvenue à Commu. Les cendres, pour en éliminer déjà aussi. Ah oui, comment on fait, du coup, Chave? On va faire les cendres. Attendez, on va faire le truc des cendres. J'ai besoin qu'on m'explique, j'ai jamais fait. On élimine lequel? Tout le monde dit Christine pour l'instant. Donc là, est-ce que je peux faire Christine pour savoir si c'est bien elle? Les cendres, ça va me confirmer si c'est elle, c'est ça? Alright.
Donc il faudrait que je mette Christine. Ok, faut... Oh putain, elle est là-bas. Oh putain, elle me regarde. Regardez, elle est là-bas. Ok, c'est Christine à 74%. On va faire les 100 dessus Christine. Je sais pas comment ça marche, va falloir m'expliquer. Ah non, non, oh mon dieu, elle s'approche. Oh mon dieu, elle s'approche de côté, elle marche comme un crabe. C'est horrible. Non mais au secours, elle marche comme un crabe. La musique du stress, elle est différente, la chérie Chou. Je crois que t'avais raison. Le sac avant de le brûler. Et qu'est-ce que ça va faire de plus? Ça donne juste les codes du démon? Donc ça servira pas parce que moi j'ai une marque personnalisée. Oh mon dieu, oh mon dieu. Tu dois prendre un sac et mettre les cendres dedans. Attends, faudra me répéter parce que qu'est-ce qui se passe? Lui, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Mais c'est un nouveau démon, ça. Mais attendez, c'est un nouveau démon. Ah non, il y a la musique qui stresse de l'enfer. Les allumettes, mais les cendres de quoi? Je comprends pas. Si je l'ai pas encore brûlé, vous voulez que je mette les cendres de quoi? C'est ça que je comprends pas. Tu vas mettre un sac et mettre les cendres dedans, mais les cendres de qui? C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Prends les allumettes à l'entrée, tu mets le tout dans le ventre, sur le ventre de l'un des corps avec lesquels tu hésites. Ah mais la famille, j'en ai pas besoin, ça sert à rien pour cette fin, t'as raison, Chechou. Ça sert à rien parce qu'on a un autre truc, regardez, on a ça. Putain, j'ai l'impression qu'il y a une machine à laver qui est en train de tourner, et il y a la machine à laver de l'enfer. Donc j'aurais dit Christine. Christine. On ne dit pas bravo, Christine. Bravo. Christine. Ok, donc là je lui mets la plaque, c'est la marque de Valérie. Mais dépêche-toi! Elle se laisse pas faire! Au feu! Mais j'y crois pas! J'ai cliqué sur le bouton! Mon chimère, je suis mort sur le bouton! J'ai cliqué sur le bouton! C'est la première fois que je vois ça, je suis mort sur le bouton. Je suis mort sur le bouton. What the fuck? C'est invraisemblable, j'ai jamais vu ça. En un an de mortier assistant, j'ai jamais vu ça. On est mort, j'avais cliqué, vous avez entendu le bruit du clic? Pile au moment où j'ai cliqué quoi. Genre ça a dû jouer à une fraction de seconde près. Ah, je suis dégoûté les amis, il y avait des risques hein. On y était presque hein, malgré qu'on avait fait le sous-sol hein. On a été possédé les amis, du coup il nous enferme comme sa femme. Regardez sa femme, elle est en face. Et elle nous a dit qu'on allait finir comme elle. Bon, elle dit de pas être effrayé, mais... Ce qui m'ennuie, c'est qu'on saura pas qui c'était parmi les trois. J'ai envie de savoir qui c'était parmi les trois. Parce que moi je suis pas sûr à 100% que ça soit Christine les amis. Hein.